Eh oui, bonsoir les tubeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du match Standard Malen. C'est l'avant-dernier match du championnat normal et puis on aura encore un match dimanche prochain. Et alors après, ben, ce sera les playoffs. Bon, voilà deux semaines qu'on a été battu. On a été battu contre la Gantoise et contre Bruges. Mais j'ai toujours dit que Standard était trop fort cette année. Ça fait, je crois, qu'on a donné les points. Et aujourd'hui, le petit presse du Parc Astrid, qui est entraîneur à Malen, ben, il n'a pas pris de points, puisqu'on a gagné 2-0. Ça fait, bah, tout un beau match dans l'ensemble. C'était un très beau match. Alors, ce qui me fait encore le plus plaisir, c'est que Bruges perd 2 points à Zult. C'est bon, c'est pas mauvais pour nous. Et alors, ce qui me fait rire, c'est Anderlecht. Je vous laisse deviner. Non, non. Non, il n'a pas fait match nul. Non. Non, 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 pas match nul. Comment? Ah non, il n'a pas gagné non plus. Bah ouais, il reste qu'il a été battu contre l'OHL. Ça fait, je crois que Anderlecht, il va être hors course quoi, pour les playoffs. On me dira bien, ouais, les points, on va les diviser en deux. Mais maintenant, on va avoir 3 points à l'aise sur Bruges d'avance, sans savoir la semaine prochaine, parce que s'il en perd encore 3. On aura 4, mais bon, avec 3 points, on aura 6. Même avec 0, on a 6. Les playoffs, on va casser la baraque comme chaque année. Et voilà. À mon avis, qui va être champion? Le Standard sera champion cette année. C'est moi qui vous le dis. Bon, là-dessus, on verra bien si je me suis trompé ou pas. Ça fait, comme je vous ai dit au début, encore un match du championnat normal. Et puis, dans 3 semaines, ce sera les playoffs. Les playoffs. Et alors, on verra qui sera champion. Les 10 derniers matchs. Et voilà. C'est-à-dire les 6 meilleurs. Quoi, ça veut dire. On aura 5 matchs. 5 allées, 5 retours. Et puis on verra bien. Bon. Peut-être que je ferai encore une vidéo là-dessus. Mais j'en sais rien. Après, qu'on est champion. Alors là, je vous vide une bouteille de Pékin. Sur une vidéo. Bon, là-dessus, je vous dis à la prochaine sur YouTube.